desde a antiguidade. Deus habita no meio dos louvores. Jesus disse que aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Et nous faisons de confiance pour que nous puissions parler de sa part. Parce que nous ne nous expliquons pas comment est important. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, ce passage, c'est très capital. Parce que le disciple de Jésus vient poser une question à Jésus. Ils disent, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples à prier. L'ordre des choses, par contre, dans la parole de Dieu, nous pouvons le négliger, mais c'est très important. Parce que le passage que nous venons de lire, la Bible dit, Jésus répond aux besoins de la prière. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, c'est la réflexion, l'exhortation, l'étude que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est sanctifier le nom de Dieu. Amen. Je crois que pour gagner du temps, on va aller dans un deuxième passage pour que je ne puisse pas trop vous retenir. Nombre. Chapitre 20, on peut nous l'afficher. Versets 7 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abroderas l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ces eaux, ce sont les eaux de Meriba où les enfants d'Israël protestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Retenez bien le verset 12. Parce que, donc l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux d'Israël. Ils n'ont pas sanctifié le nom de Dieu aux enfants d'Israël, mais le verset 13 dit, ce sont les eaux de Meriba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut lui-même Dieu, fut sanctifié en eux. Amen. Alors, par moment, quand nous prions, moi-même, en commençant par là, parce que je commence à faire par ce travail-là, puisque c'est un travail au quotidien, de comprendre certains mots que nous utilisons dans nos prières. Quand je dis Seigneur, je te magnifie, qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, je sanctifie ton nom, qu'est-ce que ça veut dire? La parole de Dieu nous apprend que Dieu est saint et que nous nous sommes des pécheurs. Comment ce qui est impur peut sanctifier ce qui est pur de par sa nature? Comment un homme pécheur, un homme qui vit dans le mal, qui est toujours porté vers le mal, peut être en train de sanctifier Dieu? C'est la grande question. Amen. Bon, je vais aller doucement, même si je ne termine pas, ce n'est pas grave. Parce que par moment, quand vous me regardez,
J'ai l'impression que je parle, j'utilise des mots qui ne sont pas très compréhensibles. Si quelqu'un ne comprend pas, il fait ça. Et je m'arrête, je reprends. Amen. Donc, l'impie qui sanctifie le pur. Dieu dit dans Matthieu chapitre 6, voici comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première des choses dans notre prière, nous devons chercher à sanctifier le nom de Dieu. Je comprends que pour l'instant vous n'allez pas dire Amen. Après quand nous allons comprendre ce que c'est sanctifier Dieu, nous comprenons les choses différemment. Et tu prieras différemment. Quand tu utiliseras des mots, ça sera des mots que tu comprends le sens et la portée. Parce que là, les enfants d'Israël ne sanctifient pas Dieu. Aaron et Moïse ne sanctifient pas Dieu devant l'assemblée. Ils n'honorent pas Dieu devant l'assemblée. Je commence même à donner les réponses. Amen. Sanctifier le nom de Dieu, ça, ce n'est pas que ça dans ces deux passages-là. Si vous parcourez la parole de Dieu, même pour ceux qui cherchent souvent facilement, ceux qui ont des applications de Bible, il suffit de taper sanctifier Dieu. Vous allez voir, ça va vous donner plusieurs passages. Je veux dire que la sanctification, pas simplement à notre niveau, je ne parle pas d'abord de la sanctification comme comportement, je parle de sanctifier Dieu. Amen. Donc comprenez-moi bien que là, je ne suis pas en train de parler comme le rejet d'avoir empêché de marcher dans la pureté en tant qu'enfant de Dieu. Je ne parle pas de cela. Même si cela est déjà primordial pour que tu puisses sanctifier en deuxième position le nom de Dieu. Donc puisque ce sont des expressions qui reviennent souvent de sanctifier le nom de Dieu, alors on va s'intéresser à ce qui s'est passé dans l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'homme? Les enfants d'Israël sont assoiffés, ils sont dans le désert. Voyez-vous, là il fait à peu près 30 degrés. Et je vois des gens qui baillent, c'est normal, c'est la fatigue. Peut-être que tu as dormi tard. Mais nous sommes dans le désert. Et il faut être dans les pays désertiques, le pays du Maghreb, le pays du Proche-Orient, pour comprendre ce que c'est le désert. Ils ont très soif. Et ils menacent Moïse. Et Dieu dit, Moïse, prends le bâton, tu frapperas le rocher. Et il fera sortir de l'eau. Et le peuple va boire ainsi que le bétail. Donc Moïse voit la gravité. Moïse a vu la mer se fendre. Il a vu 10 plaies s'opérer en Égypte. Mais cette fois-là, il dit, ah là, c'est un autre niveau. Comment ça se fait qu'il me demande de prendre le bâton, de frapper sur un rocher et le rocher va faire sortir de l'eau. Et vu déjà la circonstance, parce que là je vous invite donc d'aller étudier cela, d'aller les voir à la maison. Vous allez voir que la circonstance ne prête pas à prendre des décisions intelligentes. Vous êtes sous pression et il faut savoir que par moment quand on est sous pression, on peut même faire des choses contraires à ce à quoi on a toujours cru. Quand vous avez un peuple, vous allez vous faire la pression parce que nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça. Parce que je prends un exemple, de par la révélation que Dieu a donnée à Moïse, il lui était impossible de fabriquer un veau d'or. Mais le peuple est venu sous pression, ils ont mis pression tout le temps, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Aaron a été obligé de fabriquer un veau d'or. Parce qu'il y avait pression. Alors, Moïse prend le bâton. Et je pense cela, il ne le fait pas parce qu'il croit qu'il peut sortir quelque chose. Parce que dans une expression, il dit, Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? C'est vraiment de ce rocher qu'on va vous faire sortir de l'eau. Autrement dit, est-ce que vous
vous vous rendez compte où nous sommes là, pour que vous puissiez me demander de l'eau? Est-ce que vous vous rendez compte de la circonstance dans laquelle nous nous trouvons, pour que vous puissiez me demander de l'eau? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Puis, Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher. Dieu lui avait dit, tu frapperas le rocher, l'eau sortira et tu abonneras en moi. Lui, il a frappé deux fois. Et à cause de cela, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Amen. Pourquoi? Parce que Moïse, Dieu reproche à Moïse quelque chose de très important. C'est son incrédulité. Il ne croit pas Dieu. Il ne croit pas que Dieu soit capable de faire ces choses-là. Il ne croit pas que Dieu puisse opérer ces choses-là de cette façon-là. Et vous savez, bien aimé, lorsque votre honneur, votre réputation est traînée dans la boue, vous savez que nous aimons bien la réputation. Nous aimons qu'on parle bien de nous. Et quand tu entends des murmures, des gens qui disent des mauvaises choses sur toi, ça ne te fait pas plaisir. Nous aimons qu'on raconte des bonnes choses de notre vie. Nous aimons qu'on nous valorise. Mais lorsque Moïse fait une telle chose devant le peuple d'Israël, quel message il est en train de donner? Amen. Il ne glorifie pas Dieu. Et son incrédulité a été une pierre d'achoppement même pour le peuple. Ça veut dire que pour sanctifier Dieu, très souvent ça viendra pendant des moments d'épreuve. Pendant les moments d'opposition, quand tu verras que tout se dresse sur ton chemin, quand tu verras que rien ne marche, et quand les gens te regarderont, et par moments les gens se moqueront, même parmi les enfants de Dieu, certains vont se moquer de toi. Lui qui a toujours cru en Dieu, comment telle chose lui arrive? Bien aimé, vous savez, lorsque Job était en train de discuter avec Dieu, Job n'a pas été frappé parce qu'il était mauvais. C'est simplement une discussion qui était ailleurs, dont il ne connaissait ni le début ni la fin. Mais simplement, lui, il était en train de subir quelque chose. Et même autour de lui, des gens qui pensaient défendre Dieu. Parce que dans leurs propos, les deux ou trois amis de Job, dans leurs propos, tu sens mal le bébé. Job, attends, franchement, ce qui t'arrive, c'est ta faute. C'est le fruit de ton péché. C'est à cause de ton comportement que telle chose t'arrive. Mais Job, dans sa bouche, qu'est-ce qu'il a fait? Certains d'entre nous dirions, ah c'est vrai, j'ai demandé beaucoup de temps, ça traîne. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je partageais avec quelqu'un hier ou avant-hier, il y a certains cantiques, même dits spirituels, je ne les écoute pas. Parce que le fait de dire, par exemple, à Dieu, oh Seigneur, tu ne me vois pas, je suis ici, je suis debout, là où tu m'as laissé, je suis toujours au même endroit, ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu est aveugle et ne voit pas. Tu commences à dire, on est, tu ne me vois pas, je suis là. C'est une forme d'incrédulité. Tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu penses qu'en fait, en t'agitant, il va te voir. Non, ce n'est pas en dans l'agitation. Et même pas moi. Vous savez, quand on s'agite trop, nous on nous a appris. Quand tu vois quelqu'un se noyer dans l'eau, il ne faut pas plonger directement dans le replay, sinon toi et lui, vous allez vous noyer. Il faut qu'il se fatigue, qu'il n'ait plus la possibilité de se débattre, alors là, tu peux le gagner. J'ai fait cette expérience-là quand j'étais plus petit. J'ai vu quelqu'un se noyer, je suis allé, la personne m'est montée sur la tête. En fait, moi, je suis resté dans l'eau et je cherchais à sortir. Lui, la personne avait peur qu'elle se noie. Et moi, je voulais sortir la tête et elle m'enfonçait. Et quand tu t'agites trop, tu peux te laisser. Jusqu'à ce que tu puisses perdre tes repères. Et c'est ce qui s'est passé à Abraham. Dieu a laissé Abraham jusqu'au jour où Abraham, pour la première fois, il s'est prosterné. 25 ans plus tard, ça, on voit que sa situation a changé. Donc Dieu
ne cherchera pas toujours à ce que ce nom soit sanctifié, que nous puissions les lever dans les bonnes conditions seulement. Amen. Amen. Parce que là, il avait, si je ne m'abuse, il y avait à peu près 400 000 Israélites. On compte, à l'époque, on comptait d'abord les hommes. 400 000 personnes qui arrivent et qui te font la pression. Il n'a pas sanctifié le nom de Dieu. Et il a été rejeté, il n'a pas vu la terre promise. Même si plus tard, ça c'est la providence et la grâce de Dieu. Plus tard, il a été récupéré, mais il n'y aura pas toujours de plus tard pour tous. Amen. Moïse, on voit lors de la transfiguration, c'est lui qui est venu avec Élie. Ça c'est la souveraineté de Dieu. Mais ça ne sera pas toujours comme ça. Ça ne sera pas toujours comme ça. Donc il y a des choses que nous devons faire, il y a un comportement que nous devons avoir au devant de notre Dieu pour qu'il soit sanctifié. Amen. Est-ce que... Voilà. Sanctifier Dieu, il est aussi question de témoignage. Témoigner Dieu. Parce que quand Dieu ne pas glorifier, ne pas témoigner quand il y a la difficulté, quand il y a de l'opposition qui se dresse devant nous, alors nous manquons par là même le moyen de le témoigner. Amen. Il y a des gens bien-aimés qui ont vécu la main de Dieu après qu'ils aient témoigné. Ils sont en train de vivre une situation difficile, une situation de maladie, une situation de où la personne est coincée dans divers domaines. Mais cette personne croit que la personne prie et croit Dieu. Et cette personne fait un acte, pose un acte de foi. Et vous voyez par la suite Dieu opérer quelque chose, opérer un miracle. Pourquoi? Parce que cette personne est rentrée d'abord dans la mentalité de glorifier Dieu. Il est rentré dans la mentalité d'abord d'élever Dieu au-delà de ses difficultés, au-delà de ses problèmes. Parce que sanctifier Dieu aussi relève de la foi et de la confiance qu'on a à l'égard de Dieu. Quand on n'a pas de foi, on est chancelant, on ne sait pas, on ne sait pas vraiment garder la constance dans les choses de Dieu. Eh bien, tu ne pourras pas résister lorsque l'adversité arrive, lorsque l'opposition arrive. Je sens que ça rentre pas vraiment. Amen. Amen. Parce que ce qui s'est passé là, vous savez, une fois bien aimé, Papa Charlie nous a partagé quelque chose ici. Dieu lui a dit, il est bien parti en un deuil. Il y avait un enfant qui était mort. Dieu lui a dit, va, réveille cet enfant qui est mort. Il dit, non, mais ça c'est ma voix, je me suis entendu quand même, c'est pas Dieu. Parce qu'en fait, si Dieu te dit, va chez le pasteur, il va te donner 500 euros, cette voix-là on l'entend facilement. Parce que ça nous satisfait d'abord nous. Lui, il a entendu, va, prie pour cet enfant qui est mort, il va se réveiller. Il dit, non, ça, moi c'est ma voix, il ne faut pas prendre des risques. Parce que si je vais là-bas et que. Il se passe rien, donc je risque d'être lapidé. Et surtout chez nous, quand on te frappe, vraiment bien. Et il a hésité jusqu'à ce que cet enfant ait été enterré. C'est là où je lui dis, tu n'as pas besoin de nom. Amen. On va s'arrêter et dire, bon, vous pouvez lui demander, un jour il va partager ce témoignage. Tu n'as pas sanctifié mon nom. Tu n'as pas fait connaître mon nom. Qu'est-ce que c'est déjà la sanctification? La sanctification, c'est le fait de mettre à part quelque chose. Même nous, quand Dieu nous appelle saints, c'est parce que nous avons été sortis du lot. Parce que nous sommes mis à part, nous avons été choisis, Dieu nous a choisis dans sa providence, dans sa miséricorde, et il nous a mis à part pour le servir.
sanctifier le nom de Dieu, c'est le sortir du commun. C'est le mettre de côté. C'est-à-dire que il est au-dessus de tout. Il peut tout. Il est tout puissant. C'est faire en sorte que son nom soit reconnu en tant que tel. Vous savez bien, le nom identifie la personne. Amen. Le nom identifie la personne. Donc, par notre témoignage, parce que j'étais en train de parler pour dire que sanctifier Dieu, c'est témoigner aussi Dieu. Et la sanctification, c'est le fait de mettre de côté, mettre à part, ne pas mélanger. C'est ça, dans le langage chrétien, le fait de sanctifier le nom de Dieu. Autrement, Dieu serait comme les autres dieux. Parce qu'il y a des gens qui prient, qui invoquent des esprits, il y a des gens qui ont des statues dans leur maison, il y a des gens qui invoquent Mahomet, il y a des gens qui invoquent Bouddha. Non, Dieu, il n'est pas dans cela. Dieu n'est pas lui, il n'est pas dans ce groupe-là. C'est comme quelqu'un qui dirait, bon, lui aussi c'est notre Dieu. Et très souvent, j'entends dans les discours de beaucoup de personnes qui disent, ah non, n'oublions pas nos traditions. C'est bien nos traditions. Il ne faut pas déplacer les bornes que l'on a déposées les anciennes. Quand ces bornes-là sont bonnes. Amen. Il y a des traditions qui sont bonnes. Pour l'éducation, pour la morale. Mais ça ne te donne pas la vie éternelle. Amen. 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 Donc nous devons témoigner Dieu, démontrer que notre Dieu est le Tout-Puissant. Montrer que Dieu est majestueux au-delà de toutes les divinités que les hommes peuvent identifier ou nommer. Dieu est au-delà de tout cela. Et cela va se passer par notre vécu, par notre manière de faire. Même s'il y a le vent contraire qui arrive bien élevé, même s'il y a l'opposition des élus, même s'il y a des sorciers, même s'il y a les gens que tu as identifiés comme des féticheurs, ainsi de suite, tu dois élever Dieu au-dessus de toutes ces situations-là. Parce que les enfants d'Israël dans le désert, là, ils n'ont pas d'eau. Et Moïse, au lieu de voir la grandeur de Dieu qui a formé la mer en deux, il est en train de voir un rocher qui sort de l'eau. C'est pas possible. Et à cause de cela, je disais donc, Dieu n'a pas été glorifié et il a été écarté pour qu'il puisse ramener le peuple d'Israël dans le désert, dans la terre promise. Alors, ça c'est un premier aspect de la sanctification, de sanctifier Dieu, c'est le témoignage. Deuxième aspect de la sanctification, le fait de sanctifier Dieu, c'est de poser un contraste réel, contraste. La différence réelle de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Amen. Amen. Dieu, la Bible dit que Dieu est lumière. Et les autres, c'est ténèbres. Il ne peut pas y avoir de mélange entre lumière et ténèbres. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit démontrer par sa vie, là ça entre maintenant dans notre manière de vivre, par sa vie, qu'on est des enfants de lumière. Témoigner Dieu par notre attitude, par notre comportement, par notre façon de parler. Il y a des enfants de Dieu. Quand il est dans un. Il y a des personnes qui sont des personnes non identifiées. Quand il est avec des païens, il parle pire que des païens. Il se comporte pire qu'un païen. Quand il est dans l'église, il est aussi saint, plus saint que le pasteur. Parce que le premier saint à l'église, c'est le pasteur. Amen. Amen. Parce que saint, ça ne signifie pas simplement, ce n'est pas correct pour le péché, mais c'est qu'il a été mis à côté pour servir Dieu. Amen. Non. Le saint, ce n'est pas celui qui ne commet pas de péché. Le saint, c'est celui qui a été mis à part pour servir Dieu. Et quand il tombe dans un péché, il se repent et il continue sa marche. Amen. C'est ça celui-là qui est saint. Amen. C'est pourquoi j'ai dit le premier saint ici, c'est le pasteur. Amen. Amen. Ton attitude, ton comportement doit sanctifier Dieu. Ta façon
de parler doit sanctifier Dieu. Ta façon de t'habiller doit sanctifier Dieu. Les lieux où tu fréquentes doit sanctifier Dieu. Où que tu sois, tu dois sanctifier Dieu. Et quand un païen te voit, directement ça lui rappelle qu'il doit se mettre dans un certain comportement. Vous savez, il y a des gens, il y a des enfants de Dieu, quand il arrive dans un certain endroit, même s'il y avait du bruit, les gens commencent à baisser la voix, jusqu'à devenir silencieux. Parce qu'ils savent, ils se disent, bon, celui-là, il risque de nous prêcher des choses. Donc en fait, ta présence, c'est un rappel à l'homme. Mais quand tu vois, tu arrives à un certain endroit, les gens parlent même, font pire qu'avant, tu deviens un problème. Tu ne sanctifies pas Dieu, tu ne crées pas le contraste, tu ne crées pas la différence entre un enfant de Dieu. Absolument. Et à cause de cela, beaucoup de choses viennent avec toi. Beaucoup de choses que nous vivons dans notre vie. Il y a beaucoup de choses que nous vivons dans notre vie. Nous accusons Dieu. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Il n'y a pas de mélange entre lumière et ténèbres. Et celui qui est enfant de Dieu, il se sanctifie lui-même, puisque Dieu lui-même est saint. Amen. Je disais tout à l'heure, lorsque on accepte de vivre cette différence-là avec Dieu, de marcher avec Dieu, même si c'est difficile, vous savez, c'est pas facile, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas facile de faire le contraire là où tout le monde est en train de faire la même chose. Et surtout que on a l'impression qu'ils progressent. Et surtout que vous sentez qu'ils sont dans une sorte d'épanouissement. L'apparence qu'ils donnent, ils sont heureux. Et vous, vous êtes obligé de prendre le chemin contraire. Et vous voyez bien que là où vous allez, c'est des pierres, des ronces. C'est pas facile. C'est pas facile. Celui qui nous a dit, celui qui nous a prêché la première fois que la vie chrétienne était facile, il nous a induit en erreur. La vie chrétienne, c'est une vie de renoncement. C'est de renoncer à soi-même d'abord. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à ses propres intérêts, à ce qui nous fait plaisir. C'est bien de danser. Et c'est pourquoi même le diable a sournoisement introduit dans le milieu des enfants de Dieu des musiques dites chrétiennes, mais qui ne le sont pas. Hier, on était sortis, on revenait. Ma fille a mis une musique derrière. Déjà, tu te sens impossible d'écouter autre musique que la musique chrétienne. J'entends une musique, et c'est qui ça? On me dit l'artiste. Et c'était une vidéo, je regarde. Si on enlève cette musique, ce fond musical-là, on met les musiciens de chez nous, parce qu'il faut le style musical de chez nous là-bas. On met un autre artiste, on prend cette danse-là, on combine exactement comme le monde. Il y a des chrétiens, en fait, il y a des serviteurs, bon, je vais les appeler comme ça, moi je n'ai pas le droit de les juger. Surtout dans le domaine de la musique, c'est un domaine où il y a beaucoup de débordements, où les gens ne glorifient pas réellement Dieu, parce que tu vois même la manière de danser, la manière de chanter, même le fond de la composition, tu te dis, celui-là qui veut se faire de la musique. C'est un comportement qui ne glorifie pas Dieu. Et quelqu'un m'avait dit, ah bon, papa, de toute façon, nous, comme on est chrétien, au lieu de danser la musique de l'autre côté du monde, on a mis cette musique-là, on veut la porter. Chez nous les chrétiens, on met Jésus, Jésus, nous dansons. J'ai dit, mais le bon, c'est que tu hisses le même pas que le monde. En fait, nous ne venons pas pour que nous puissions faire, nous puissions louer simplement pour notre joie. C'est vrai que quand nous adorons Dieu, quand nous glorifions Dieu, nous avons de la joie en nous. Et nous le faisons d'abord pour la gloire de Dieu.
tout doit se faire pour la gloire de Dieu. Et c'est comme ça, l'ennemi est rentré dans l'église, il est en train de nous détourner petit à petit, jusqu'au point où tu te retrouves en train de défendre le mal. Il y a des enfants de Dieu qui défendent le mal et qui trouvent même des compagnons de lutte pour offenser Dieu. Bien-aimé, ce jour-là, tu vas te présenter seul. À ce moment-là que tu vas comprendre que Dieu est Dieu. Tu comprendras que Dieu est Dieu. On peut être en groupe en train de prendre une décision contre la parole de Dieu. Mais le jour où tu mourras, tu seras seul. Quel que soit l'amour qu'on t'a témoigné, quel que soit l'amour que tu vas avoir pour ton frère, pour ta soeur, pour ton enfant, tu vas t'en aller seul. Seul. C'est pourquoi, ce jour-là, Moïse et Aaron n'ont pas sanctifié le nom de Dieu. Ils ont été écartés. Chaque fois que tu seras seul pour sanctifier le nom de Dieu, tu seras toujours dans la majorité. Chaque fois que tu seras seul à vouloir honorer Dieu, tu seras toujours dans la partie de la majorité. Ce ne sera pas parce que ce n'est pas le nombre qui détermine l'approbation de Dieu. C'est simplement parce que tu te dis, moi je vais honorer Dieu, je vais marcher dans la crainte de Dieu, tu es du côté de la majorité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et quand une personne choisit de sanctifier Dieu, d'honorer Dieu, Dieu change même son identité. Amen. Tu peux rester le même. Une fois ici, le pasteur très bien, dans une prière, pour nous autres, il y a comme des noms bizarres. Amen. On a des noms bizarres. On nous a amenés à prier pour que l'impact de ce nom-là puisse s'arrêter dans notre vie. Il y a des gens qui s'appellent douleur. Il y a des gens qui s'appellent pauvreté. Et on voit bien que dans sa vie, c'est la pauvreté qui se manifeste, qui agit. Il n'arrive pas à progresser, il n'arrive pas à faire des pas spirituels. Chaque fois qu'il en fait un, il en fait deux. Et tu vas voir la personne avec 10 ans, 20 ans, il n'est pas sérieux. Et vous allez voir bien aimé, quand on n'est pas sérieux, ça se voit. Ça se voit. Moi, je vois des enfants qui viennent. Le pasteur leur fait confiance. Ils se mettent à travailler. Ils font. Je ne sais pas n'importe quoi. Je veux dire, même les travails. Parce que les gens pensent que le plus important, c'est de venir prêcher ici. Venez ici, vous allez voir. Amen. Donc, il y a des enfants, tu vois, de la motivation qui viennent, qui commencent à travailler pour le Seigneur. Et quoi tu as fait là? Ils ont fait donc. Même peut-être que tu t'es converti à l'Afrique ou bien à l'Europe, je ne sais pas. Mais tu le vois, on ne voit rien, on ne peut pas influer. C'est parce que tu n'as pas été changé. Ton identité n'a pas été changée. Et celui qui sanctifie Dieu par son comportement, par sa façon d'être, Dieu change son identité. Jacob, c'est pas notre Jacob. Jacob qui veut dire usurpateur. Celui qui prend les choses de manière pas juste. Il a été changé en Israël. Et Israël, ça veut dire Dieu prévaut. Dieu prévaut. Celui qui était un usurpateur est devenu. Dieu a donné son nom. Ça veut dire Dieu est au-dessus de tout. C'est celui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui prévaut. Abraham, qui était un père, est levé. Abraham. En fait, c'est comme si c'était un homme d'orgueil. Quand il s'est prosterné, Dieu a changé son identité. Il est devenu le père de plusieurs personnes. Donc Dieu change ton identité, bien-aimé. Quand tu le nommes. Vous savez, quand vous parlez beaucoup de bien, vous dites beaucoup de bien d'un chef, du président de la République, enfin, le ministre, quand il est hors du gouvernement, il peut saquer le président, il peut lui dire du n'importe quoi. À peine il est dans le gouvernement, ou même s'il commence à avoir des prétentions d'entrer au gouvernement, vous allez entendre son discours va changer. Il va parler toujours dans le sens d'honorer le président. Il va montrer son action. Il est en train de faire de bonnes choses, les initiatives qu'il est en train de prendre, les plans d'investissement qu'il est en train de mettre en place. Et quand le président pense, ah, celui-là, il est intéressant, il vient ici. S'il était en situation de pauvreté, en situation de chômage, son identité change et ça devient quelqu'un qui commence à agir. Mais quand tu chercheras toujours à honorer Dieu, quand tu chercheras toujours à défendre le nom de Dieu, quand tu chercheras à ce que Dieu puisse être élevé au milieu des gens,
Dieu va changer ton identité. Dieu s'occupera de tes ennemis. Dieu s'occupera de ta situation. Par moi, c'est pourquoi moi, de fois, je ne prie même pas pour tes situations. Les gens qui me connaissent, moi, quand je prie pour une fois, à la limite, deux, trois fois, c'est fini. Je prie pour ce sujet-là. Ce n'est pas que je manque de voix. Je me dis, Dieu, il m'a entendu. Dieu qui a créé l'oreille, il m'a écouté et il m'a exaucé. Au moment opportun, il le fera. Amen. Amen. Tu ne me préoccupes pas. C'est pourquoi moi je peux monter de la cour. C'est difficile que tu le saches. C'est difficile. Depuis mon enfance, je suis comme ça. Tu ne sauras pas. C'est des gens qui sont proches de moi qui savent. Occupe-toi de Dieu. Sanctifie Dieu. Élève-le quand il le faut. Même quand il ne le faut pas. Même quand tu vois de l'adversité, même quand tu vois de la difficulté, même quand tu vois l'opposition, même quand tu vois la maladie se lever, ne dis pas, ah ça je crois que Dieu ça ne peut pas gagner. Un jour, j'étais en train de parler, c'est un exemple et tout, on vient souvent, un médecin. Je ne sais pas qui je parlais quand mon petit frère était tombé malade. Je lui ai dit, vous qui êtes médecin, quelle est la probabilité, du point de vue scientifique, que Lazare revienne à la vie après 4 jours? Amen. Amen. Après 4 jours que la personne ait été enterrée, quelle est la probabilité de retrouver cette personne-là vivante et de revenir à la vie? Jésus l'a fait. Amen. Et il le fera pour ce garçon. Parce que bien aimé, ce genre de choses, il faut vivre. Quand tu le regardes de loin, c'est différent. Et quand tu le vis et tu entends ce qu'on les a côté, je suis en train de parler avec ma femme. J'ai dit, en fait, moi, les à côté ne m'intéressent pas. Les diagnostics de médecin, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'écoute ce que Dieu m'a dit. Parce que avant même que cette situation puisse arriver, avant que la chose puisse arriver, Dieu m'a averti. Bon, maintenant, même si on me dit, on va lui couper ça, on va lui couper la jambe, Dieu, moi, je dis, Dieu est capable de faire pousser une jambe. Amen. Dieu est capable de tout. Amen. Mais il y a des gens qui disent, ah, il veut guérir la jambe, mais la faire pousser, c'est pas possible. Et ça, c'est plus une manière de refuser de sanctifier Dieu. Je connais un serviteur de Dieu qui est sur Paris. Sa femme, on lui a enlevé l'utérus. Et vous savez que quand on enlève l'utérus, la gestation se fait dans l'utérus. On lui a enlevé ça. Mais cette femme a 4 enfants. Le médecin n'arrive pas à expliquer ça. Parce que le médecin qui l'avait opéré, le médecin de famille, il lui a enlevé l'utérus. Il a dit, bon, monsieur, écoutez, peut-être que vous devez penser à l'adoption. Les pasteurs, c'est lui-même qui nous a raconté ça. Je ne vous raconte pas ce que je pense. Il nous a dit, moi, je peux adopter, mais je ne veux pas adopter, mais je veux des enfants. Il dit, mais monsieur, en fait, vous ne comprenez pas. On a enlevé l'utérus. Il dit, oui, je sais qu'on a enlevé l'utérus, mais je veux mes enfants. Et il a 4 enfants. Amen. Sanctifier le nom de Dieu. Il est Dieu. Dans Esaïe 48, verset 11, la Bible dit, c'est pour l'amour de moi, que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Amen. Amen. Dieu ne permettra pas que son nom soit profané. Quand quoi, tu refuseras de le sanctifier. Parce que c'est ce qui s'est passé. Comme Aaron et Moïse ne se sont pas mis dans une posture de glorifier Dieu, d'élever Dieu, de distinguer Dieu parmi d'autres, parce qu'Israël a vécu en Égypte pendant 4 siècles. Ils ont vu des divinités là-bas. Ils étaient habitués à voir les Égyptiens offrir des sacrifices. Ils ont vu beaucoup de choses. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le fait que Dieu les ait fait traîner dans le désert, Dieu leur dit, en fait, vous êtes tellement habitués à des mauvaises choses
L'Égypte vous a formaté. L'Égypte vous a transformé. L'Égypte vous a influencé. L'Égypte a conditionné votre comportement. Vous ne pensez plus comme vous deviez penser normalement. Vous ne vous comportez plus comme vous deviez vous comporter. Et ils étaient en train de dire, non, 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 nous, on connaît Dieu, on le sait. Bien-aimé, dans le désert, c'est là où Dieu dit, je vous ai fait faire tout ce temps dans le désert pour vous faire connaître le fond de votre pensée, pour vous faire connaître vous-même. Pour que tu puisses te connaître toi-même par moi, il faut que tu passes par l'adversité, par la difficulté. Vous savez, les enfants qui sont nés avec des pieds en argent, c'est une exception pour bien des enfants qui sont nés dans une vie riche. Il y a honte, ça pleure comme il y a un mort. Peine, une difficulté arrive. Mon petit frère m'a raconté, il y a une famille à Kinshasa là-bas. Quand le garçon est devenu un peu turbulent, il dit, toi tu n'écoutes pas, on te dit ça, tu n'écoutes pas. Allez, billet d'avion, envoyez-le en Belgique, il est venu en Belgique là-bas. Amen. Donc lui, pour me punir, on dit, toi, tu n'écoutes pas, tu ne veux pas étudier. Bon, achetez-lui un billet pour la Belgique, on l'a envoyé en Belgique pour le punir. Alors qu'il y en a, au moment où ils sont en train de parler, ils sont en train de gêner pour venir. Amen. Dieu ne permettra pas que ce nom soit déshonoré, mais tu vas manquer une occasion de glorifier Dieu et de bénéficier de ses grâces. Amen. Nous devons tout faire dans notre attitude, dans notre choix, pour que le nom de Dieu puisse être glorifié. Et chaque fois que Dieu est glorifié, chaque fois que Dieu est glorifié, Dieu va te distinguer. Dieu va te distinguer. Comment? Je ne sais pas. Tu peux voir des gens qui tombent comme des mouches, qui tombent malades, tu es distingué. On va dire, lui là, c'est parce qu'on lui a mis des fils sur la hanche, c'est pourquoi il tombe jamais malade. Mais nous ne confions pas dans ces choses-là. Et d'ailleurs, même les gens qui se confient dans ces choses-là ne glorifient pas Dieu. Ils ne sanctifient pas Dieu. Ça veut dire qu'ils se disent que ce fils est celui qui me protège. Or Dieu, il dit, celui qui protège Israël, il ne sommeille et ne dort. Il dit, celui ne promène pas de regards inquiets, ne sois pas dans le mouvement, ne tremble pas. Je suis l'Éternel, je viens à ton secours, je te soutiens de ma foi triomphante. Et quand tu vois quelqu'un aller prendre des fils, mettre là, mettre des bagues particulières, mettre des choses sous le lit, prendre, je ne sais pas, hein, même le fait de prendre un verset biblique, d'aller mettre sous je ne sais pas quoi, dans un souci-là, ce n'est pas le verset, tu sais prendre un passage comme ça, aller mettre quelque chose. Ce n'est pas ça qui est quelque chose. C'est la vérité qui est dans ce passage qui est quelque chose. S'il y a des gens bien aimés qui ont des choses dans leur maison, ou qui consultent un certain nombre de personnes pour connaître, ou qui lisent même, qui lisent des horoscopes, ah, Sagittaire, qu'est-ce qu'il a dit, Capricorne, je ne sais pas, Mars, ce chose-là, je ne connais pas bien. Ce n'est pas une manière de sanctifier Dieu. Parce que tu t'estimes, tu es en train en fait de dire que Dieu n'est pas suffisamment capable de me bénir ou de me dire ce qui va arriver dans ma vie. Donc le fait d'aller faire ces choses-là, c'est des choses qui n'honorent pas Dieu. Tu ne glorifies pas Dieu. Tu ne le distingues pas. En fait, tu le mets dans le même panier. Tu te dis, en fait, autant on va aller voir Maître Moussa à Noël là-bas, on peut consulter dans la presse libre, l'horoscope, on peut plusieurs choses. Et il y a même des enfants de Dieu qui ont fait des serviteurs de Dieu plus que Dieu. Ils ont plus de la considération pour les serviteurs de Dieu plus que Dieu. Tu n'as pas sanctifié Dieu. Tu n'as pas sanctifié Dieu. Dieu est Dieu, il restera Dieu et à sa place. Amen.
Gloire à Dieu. Amen. Parce que, on va terminer par ce dernier point. Sanctifier Dieu, c'est aussi une lourde responsabilité. Parce que, sanctifier Dieu vous met en relation avec trois éléments. Premier élément, le témoignage, ce que nous avons dit. Deuxième chose, l'image de Dieu. Parce que le témoignage, c'est oui. Il y a une question? Non. C'est le témoignage que nous faisons de Dieu. Et ce témoignage est lié à son image. Cette image, l'image que les gens ont de Dieu et la perception que les gens ont de Dieu. Parce que si nous ne glorifions pas Dieu, si nous ne témoignons pas de Dieu, si nous ne nous manifestons pas, nous n'élevons pas Dieu, alors quelque chose d'autre va être élevé à la place de Dieu. Comprenons? Si Dieu n'est pas élevé, forcément il y aura quelque chose d'autre qui sera élevé. Et cette chose-là va prendre la place de Dieu. Donc Dieu ne sera pas glorifié à cause de nous. Si c'est la musique du monde qui prend la place, elle prendra, elle montrera tellement que louer Dieu deviendra un problème. Parce que chaque fois que Dieu me va de la bouche, on va te dire, pas toi. Donc, la perception que les gens auront, c'est pourquoi il y a des gens qui ne peuvent plus prêcher. Jusqu'au jour où tu verras une réelle repentance. Il y a des gens qui ne peuvent plus témoigner, même dans le travail, dans son travail. Ils ne peuvent plus témoigner avec ses voisins. Ils ne peuvent plus témoigner. Ils ne peuvent plus. Parce qu'il s'est tellement compromis. Et il n'a pas élevé le nom de Dieu. Tu peux chanter, tu peux prêcher comme je le fais. Ça ne change rien en cela. Parce que c'est facile, non, de prendre le micro de prêcher ici. Si les jeunes le disent, le 21 juin, il y avait des jeunes qui devaient faire l'évangélisation dans la rue. Et très souvent, plus qu'on avait l'évangélisation à Saint-Charles, distribuer juste des flyers. C'est écrit, tu es amoureux, distribué. En fait, ça se vend juste quand vous descendez les marches des escaliers Saint-Charles là-bas, à gauche, au CNC, ça coûte 10 centimes. Je suis allé, non, 3 centimes. J'étais parti pour me renseigner pour que j'en achète déjà. Je ne vais pas attendre un programme, moi. Ah, les jeunes, les hommes, les mamans, tout ça, non, je vais, j'achète, je vais venir, on met le cachet de l'église pour mettre l'adresse, et puis je vais distribuer. Pour ça, il faut tout un programme. Non. Pourquoi? Parce que les intérêts sont ailleurs. Tu vas à la CNC, là-bas, tu achètes, même si tu achètes pour 10 euros. 10 euros, d'aller manger les tacos au possible. Tu achètes des flyers et distribuer. Peut-être si tu en achètes 100, peut-être une seule personne sera convertie et il y a de la joie au ciel. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ça passe? On va terminer. Dernier point, dernière chose que je vais dire, c'est une grâce. C'est un honneur. C'est un privilège. Au-delà de tout, au-delà du commun, que Dieu nous donne de sanctifier ça. Moïse et Aaron ne sont pas rentrés dans la terre promise qui est l'image pour nous, l'église du ciel. Moïse et Aaron ne sont pas rentrés dans la terre promise et cette terre promise qui est l'image du ciel pour nous. Sachant le bien, chaque fois que Dieu n'est pas glorifié. Vous savez, un jour j'étais en train de faire un exercice mental. J'ai dit, bon, il n'y a aucun moyen pour entrer au ciel que Jésus. Le ciel est dit Jésus là-bas. Bon. Mais pour que je puisse entrer, il faut que je sois en accord avec lui. Tout ce
que je peux faire, les apôtres ne sauront rien changer à ma situation. Donc, il ne reste qu'un choix, c'est de lui obéir. Donc, tout ce qu'on peut me dire à gauche, à droite, au-dessus, partout ailleurs, n'a aucune importance. Ce qui est important pour moi, parce que de toutes les façons, ma vie est éphémère, ma vie est limitée dans le temps. À peine quelqu'un arrive à 64 ans et dit, ah celui-là, quand est-ce qu'il va mourir? Mais c'est pas ton problème s'il meurt à 100 ans, 150 ans. En fait, à un certain âge, on ne peut pas voir ces gens-là. Non, c'est Dieu qui décide à quel moment. Mais au-delà de tout, quel que soit l'âge que Dieu t'aura donné, tu vas te coucher, tu mourras. Ah, ça, je le dis toujours, par moment. J'ai envoyé une vidéo au pasteur, je ne vais pas vous dire la suite. Un monsieur, il dort, il meurt. Et il se retrouve devant Dieu. Il dit, oh, mais qu'est-ce que je fais là? Il dit, non, dans mon sommeil, tu es mort. Je m'arrête là. Et j'ai en train de réfléchir, je me dis, en fait, si je meurs dans mon sommeil, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est une remise, ma cause perpétuelle. Vous savez, on peut se dire, on a cru en Jésus, on a accepté Jésus. C'est bien. Est-ce que dans notre vie de tous les jours, nous sommes plus violents de Dieu? Est-ce que dans notre vie de tous les jours, nous sommes certains que si un jour, là, je suis en train de parler, j'ai vu dans une église un prêtre en train de prêcher, il a fini, il allait pour s'asseoir, il est tombé, il est mort. Net, au même moment, il est tombé, il est mort. En fait, je me dis, si ça s'arrête là, ce n'est pas parce que je viens de prêcher que je viens rentrer au ciel. Non. Parce que Paul dit, il se comporte de manière à ce que de soumettre sa chair, son corps, de peur que, après avoir prêché aux autres, lui-même soit rejeté. Donc, c'est-à-dire prêcher aux autres ne te garantit pas le ciel. Amen. Tu prêches les autres écoutent la parole, ils acceptent. Ils donnent leur vie à Jésus, ils marchent avec dans la crainte de Dieu. Et ils entrent, et dans un cas prêché, tu te retrouves. Et tu te retrouves. Parce que Moïse a parlé aux enfants d'Israël. Il lui a donné la parole. Il a communiqué aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont écouté. Lui, il n'est pas rentré. Et c'est de ceux qui ont désobéi à cette parole-là qui ne sont pas rentrés. Il y a eu trois personnes, je crois, qui sont rentrées. Caleb, Josué, Pierre-Don. Trois personnes seulement. Et plus de 400 000 personnes qui sont sorties d'Égypte. Trois sont rentrées. Parce que l'autre même, Josué, quand il a fallu faire le choix, le pasteur, je crois, il a dit ça ce matin. Choisissez qui vous voulez servir. Si vous voulez servir votre Dieu, servez-le. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a sanctifié le nom de Dieu devant tout le peuple. Il aimait soit quelqu'un de caractère, un homme et une femme de caractère, qui a de la personnalité. Ne sois pas quelqu'un qui est facilement, qui vacille au gré des vagues. Des vagues t'amènent là, hein, on y va. On t'amène là, oui, les jeunes, nous allons là-bas. Non, il faut que tu aies tes pieds sur droit dans la parole de Dieu, même si tout le monde désobéit Dieu. Ce jour-là, trois personnes seulement sont. Et je vais prendre bien la femme de Josué et Caleb du Pérou. Parce que si, hein, ils sont en train ensemble. Quand on dit trois, donc ce n'est pas une question de famille. La femme de Caleb n'est pas rentrée, les enfants de Caleb ne sont pas rentrés. Voyez-vous la responsabilité? Voyez-vous la difficulté? C'est pourquoi nous devons faire très très attention de la manière dont nous servons le Seigneur. Parce que chacun de nous devra rendre compte devant Dieu. Comme cela, Jésus, dans Matthieu, chapitre 6, verset 9, 10, 9, il dit, que ton nom soit sanctifié. Donc, Père, qui es aux cieux, première chose, avant de demander, donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, il dit, première chose, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit distingué parmi tous les autres dieux. Que ton nom soit honoré parmi toute création. Que ton nom soit magnifié, élevé, glorifié, témoigné, vécu au-dessus de tout ce qui existe. Amen. C'est ce que ça veut dire, sanctifié Dieu. Et bien aimé, sache que quand tu rentreras dans cette phase-là, tu seras agréable à Dieu et Dieu te comprendra. C'est pourquoi je termine en disant. Je dis à celui qui aura
honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Celui qui a honte de moi devant les hommes, comme Pierre. Toi, tu étais avec Jésus. Il se retrouve là. C'est moi qui dis oui, toi tu étais avec Jésus. Il dit non. Femme, je ne connais pas cet homme. Combien de fois nous nions réellement que nous connaissons Jésus? Combien de fois? Nous le nions par les actes, nous le nions par les paroles, nous le nions par nos attitudes, nous le nions par le choix. Nous le nions de diverses manières. Mais la grâce nous est donnée. Au lieu que tu te retrouves brutalement en enfer, Dieu veut que par notre volonté, que nous soyons le centre de nos vies. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.